audience est reprise. Ce que vous souhaitez faire comparaître un témoin, si c'est le cas, indiquez-nous l'initial, la lettre sur laquelle vous voulez l'entendre. Mr. President, the witness is referred to as J. The witness is referred to as J. Monsieur Luisset, voulez-vous faire comparaître le témoin J? Bonjour, madame. Bonjour. Elle a été citée comme témoin par l'accusation. Sous la lettre J. Parce qu'il faut protéger son anonymat. Donc, aucune question ne lui sera posée sur son domicile ou tout autre renseignement qui puisse permettre de l'identifier. Avant de recueillir son témoignage, je vais lui demander est-ce qu'elle comprend et parle le français. Je connais et je parle le Kinyarwanda seulement. C'est pas la question. Il faut répondre à la question. Est-ce qu'elle comprend et parle le français? Après, on verra. Je ne comprends pas le français. Donc, au cours de sa déposition, qu'elle ne sorte pas des mots français. D'accord. Elle désire s'exprimer dans quelle langue? En Kinyarwanda. Donc avant de l'entendre, elle va faire la déclaration solennelle suivante. Elle va le faire à ma suite. Elle lui sera traduite en Kinyarwanda. Et elle la répétera à ma suite. Je demande de se lever. De lever la main droite. De dire. Je déclare solennellement. Je déclare solennellement. Que je dirai la vérité. Que je dirai la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. Elle peut s'asseoir. Je rappelle, comme nous l'avons fait pour tous les témoins qui bénéficient de l'anonymat, qu'aucune photo ne doit être prise. Aucune caméra ne doit exister dans la salle et dans le public, il ne sera toléré l'utilisation d'aucun moyen audio. Je voudrais également dire à l'intention du témoin qu'elle n'est pas accusée. Elle est venue pour témoigner et pour dire la vérité conformément à la déclaration qu'elle vient de faire. Donc elle devra parler sans crainte, mais aussi sans haine et passion ni parti pris.
Elle a déclaré qu'elle dira la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Monsieur le procureur, je vous donne la parole pour interroger le témoin. Thank you, Mr. President. Honorable judges, good afternoon. We are not interested in your present address. En 1994, je vivais dans la commune de Taba. Dans le secteur de Guichetier, dans le cellule dans la. Who did you live with? Kwabana Ganande. Je vivais avec mes parents ainsi qu'avec mon frère qui s'appelait Ali. Did anybody else live with you besides the ones you told us? Il y en avait d'autres, c'est-à-dire mes enfants et mes sœurs, mes petites sœurs. How long did you live in Taba commune? Vous voulez dire avant la guerre? Yes, before the war. J'ai vécu à Taba depuis ma naissance jusqu'en 1994. In 1994, did you have an ID card? Muri 1994 wari ufite ikarita iranga umuntu? Oui, j'avais une carte d'identité. What did that identity card say about your ethnic background? Muri iyo karita yerekanaga yuko uri uwo mu buhe bwoko? La carte indiquait que j'étais Tutsi. Did you know Jean-Paul Akayesu? Akayesu Jean-Paul, Warumu. Oui, je le connaissais. For how long did you know him? Warumu zi kuvariari, kuvariye chingani ki. Je connais Akayesu depuis l'époque où il était enseignant. Je le connais également quand il était bourgmestre. Could you please get up and look around and just see Akayesu pointing out and briefly describe what he is wearing? Ushobora guhaguruka ukareba hano mu ruhame abantu barangaha, noneho ukareba niba ubona Akayesu hanyuma ukamwerekana kandi ukavuga n'imyenda yambaye yariyo. Le voilà, il porte une chemise blanche et il porte une veste qui tend vers le bleu et il a des écouteurs dans les oreilles. Thank you, you may be seated. Vous la posez, je vous appuie. On April 19, 1994, in the morning, did anybody come to your house? Muri 1994 ku itariki ya 19 hari umuntu wigeze azi wanyu mu gitondo? Oui, des personnes sont venues chez nous. Were they led by any particular person? Abo bantu se bari bayobowe n'umuntu runaka udasanzwe? Parmi eux, il y avait un enseignant du nom de Nyagatare et beaucoup d'autres personnes de notre région.
Did they say anything as to who sent them to your house? Excuse me, Mr. President. Je m'excuse. Bon. Un des juges m'a fait observer que le procureur, il est curieux, comme il le faisait toujours, n'est pas demandé qu'on consigne le fait que le témoin a bien localisé, a décrit l'habillement du témoin. Donc, que l'on indique bien, que l'on enregistre bien que le témoin s'est levé à localiser à quelque chose. Habituellement, le procureur demandait, mais cette fois-ci, vous ne l'avez pas demandé. Vous pouvez continuer. I'm sorry and thank you very much. Who did Nyangatore come with to your house? Nyangatore se aziwa nicyo gihe yari herekejwe n'abandi. Nyangatore était avec beaucoup d'autres enseignants, dont un certain Japhet. Il y avait aussi un certain Martin Niyo Mungeri et beaucoup d'autres personnes. C'était beaucoup de personnes. Who sent them to your house? Quand elles sont venues, elles disaient que c'était Akaesu qui les envoyait. Who were they telling to that Akaesu sent them to your house? Elles se disaient entre elles, nous étions à l'intérieur du ménage et nous les avons entendues dire cela. When they came to your house, did they enter the house? Oui, elles sont entrées dans la maison. Did they say why they came to the, to your house? Bavuze se mpamvu bari baje iwanyu aho ngaho.